Par contre, il me faut maintenant couper à l'intérieur le tube pour pouvoir y connecter un coude. Donc là, pour pouvoir intégrer un coude en PVC ici à l'intérieur de cette saignée, j'ai besoin de tailler ce tube un petit peu plus à l'intérieur. Là, c'est un peu le casse-tête avec quoi je peux faire, parce qu'une scie circulaire, là, j'arrive pas ici. Là, j'arrive pas, et puis je vais tailler en biais, ça va être de la merde. Donc, j'ai trouvé cette outil que je vais brancher à ma perceuse et ça va me permettre de venir comme ça tailler à l'intérieur du tube jusqu'à arriver exactement à la bonne profondeur pour pouvoir rentrer le coude. Bon, alors c'est fait pour du bois, mais c'est pas grave. Sur du PVC, ça va le faire aussi. De toute façon, il n'y avait pas d'autre type de disque pour ça. Et voilà ce que ça donne. Et on n'oublie pas de mettre les lunettes essentielles avec les projections. C'était clairement la bonne stratégie, hein, puisque là, j'ai quasiment...